Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le coin des jeux et trophées. Dans cette vidéo, on va jouer à Final Fantasy VII Remake. Et je préciserai même partie 1, puisque le jeu est tellement énorme, ce qui fait quand même 100 gigas, et c'est un choix des développeurs de le faire en plusieurs parties. Bon, après ça reste un très bon jeu, j'ai fait les 3 premières heures. C'est le début de Final Fantasy VII de l'époque, mais sublimé et enrichi. Alors on va le dire comme ça. De toute façon, on va pas attendre plus longtemps, on va découvrir ça ensemble. On va commencer une partie. Donc, on va faire une nouvelle partie. On va... Voilà, caméra normale. Donc il y a plusieurs modes de difficulté. Donc il y a classique. Donc pour ceux qui connaissent pas les jeux d'action, qui veulent découvrir l'histoire de Final Fantasy VII, le mode classique ou facile est plutôt... Donc en classique, je crois que ça combat quasiment tout seul. Il y a juste à appuyer sur la touche d'action. En facile, ça combat pas tout seul, mais les ennemis sont beaucoup plus simples. Et normal, enfin, il n'y a rien de bien compliqué. On peut jouer en normal, franchement, ça passe. Et puis c'est beaucoup plus sympa de jouer en normal parce que le système de combat est beaucoup plus sympa à prendre en main en normal. Il y a même un mode difficile une fois le mode normal terminé. Sur ce, je me tais et je vous laisse apprécier le spectacle.
Oh, cette musique. Quand ils ont annoncé le jeu, ils ont balancé cette vidéo, j'en pouvais plus. J'en avais des frissons tellement... Tellement je l'attends, ce jeu. C'est vrai qu'au niveau des musiques, c'était un jeu déjà à l'époque. Elles étaient simples mais efficaces. Et là, pareil, même les musiques ont été réorchestrées, elles sont sublimées. Il a la classe quand même. Passagère, qui êtes-vous? À toi de jouer. Bon, je vous épargne le didacticiel, parce que là, je connais un petit peu. Les mains en l'air. J'ai autre chose à faire. Que faites-vous là? Stop! Pas un geste! Alors j'avais peur pour la caméra, que ça fasse comme FF15. Elle est un peu mieux que FF15. Faut le dire. C'est un peu mieux élaboré, on va dire. Elle fait moins galérer. Lâchez votre arme. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Donc chaque personnage a, on va dire, un système de combat spécial. Donc là pour Cloud c'est triangle, on se met en position. On bouge lentement mais on est beaucoup plus efficace au combat. Trop facile. Ça fait plus de dégâts. Après il y a le système aussi où on arrête le temps pendant les combats. Le temps de pouvoir prendre une potion ou lancer une compétence. Donc là c'est normal, je sais où sont tous les coffres quasiment. Donc là ils expliquent qu'on peut détruire les caisses. Et on récupère de la magie, des points de magie ou des points de vie. C'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cadre d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Alors, pour info... Par contre, il a pas l'air commode. Pour info, la voix de Cloud, c'est la voix de Rick Grimes dans Walking Dead. Donc voilà, si vous me posiez la question. Disons que tu joues pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein? Alors on peut enlever les sous-titres. Hein. Voilà, mais je préfère les laisser en fait... Ouais. Pour la vidéo, je préfère les laisser.
te paye une petite fortune. C'est vrai qu'ils ont vraiment repris tout, il manque rien. Il ne manque rien, il n'y a même que des trucs en plus. Sur le système de combat, on est plus dans un délire, on va dire, un mix entre FF15 et FF13. Si je peux le dire grossièrement comme ça. Donc voilà, là j'ai fait croix. Donc là on arrête le temps quasiment. Donc là on va lui faire une magie. Donc voilà, il se met en état de choc, un peu comme dans FF13. FF15, je me souviens plus, je crois qu'il y avait aussi. Pourtant, on l'a fait sur la chaîne, hein. Je devrais m'en souvenir, mais. Je crois qu'il y avait aussi l'état de choc sur. Sur FF15. On va lui balancer une compétence, choc transperçant. On va essayer de lui en faire l'autre, âme brave. J'ai même pas forcé. Bah c'est les petites phrases que Cloud peut balancer. J'adore. C'est ce que je disais justement, ils leur ont vraiment mis des traits de caractère intéressants. Ce qui enrichit l'histoire d'ailleurs. C'était couru d'avance. Il paraît que les soldats d'Ashinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté l'Ashinra. T'es encore leur foutu clébard, hein?
démonter cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, ça devrait aller. Attends un peu, Bix va pas tarder à ouvrir les portes. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là? Ferme vite. Merde. Tu ferais mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Il est seul contre nous. Il a un peu de chance. Feu à volonté. C'est fini pour toi. Adieu. Désolé, Cloud. Passons à la suite. Ça donne des frissons. J'adore, ils ont gardé vraiment les traits de caractère. Donc Barrett, le gros râleur, et Cloud Strife, le personnage. On a obtenu l'accès grâce à des camarades d'une faction. Énigmatique. Enfin, c'est plutôt nous, la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Couvre nos arrières. J'aurais peut-être pensé à prendre une potion. Vous êtes très proche. Je vous invite vraiment à faire celui d'origine, celui de l'époque. Ça a peut-être piqué un petit peu aux yeux, mais l'histoire est vraiment intéressante. Surtout, ça parle de pollution, tout ça, donc je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Donc c'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako ? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie, Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ouais, ouais! Va te faire soigner. Hein? Tu te fous de moi? Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier, je suis pas sourd. Et pour les connaisseurs et connaisseuses, la musique. Écoutez bien la musique. Sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre.
Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Essaie de pas me décevoir. En tout cas, merci aux développeurs et merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce jeu parce que c'est vraiment une bouffée d'air frais. Bien, comme à l'époque, hein, Barrett Wallace est capable de toucher les cibles volantes. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Ça, c'est ce que j'appelle être efficace. Tout dégommé. Bon, l'avantage, c'est que j'ai déjà joué 3 heures au jeu. Donc, je me prends pas la tête à lire les didacticiels. Explique comment changer de personnage. Voilà qui est fait. Tu devrais ajouter encore une pointe d'orgueil. Ok. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé hey! Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. On surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces en premier. Voilà, donc ce que je disais, c'est vraiment un jeu couloir. Hein. On suit la trame du jeu. On a les combats de l'époque, mais on n'a pas les combats aléatoires comme à l'époque, et on n'a pas... De toute façon, le jeu de base ne nous permettait pas d'explorer. C'est pas un défaut en soi. Donc là, on va essayer de le mettre en état de fragilité. La foudre, ça marche bien normalement. Allez, on recommence.
soldats ont aussi un grade. Quand on dit que t'es jeune, c'est de ton âge qu'on parle. Normalement. Mais j'oubliais, vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord, d'accord. Première classe et un handage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Mais il râle tout le temps, celui-là. On arrive au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. On descend par ici. On approche. On approche. Ça sent la Mako incarnée. J'ai la chair de poule. Qu'est-ce qu'il y a, t'as les chocottes? Dis pas n'importe quoi! J'ai des frissons d'être tout près de réaliser notre arrêt! Le cœur du réacteur est juste en bas. Moi, je vais attendre sagement ici. Je vais pas vous embêter. Aurait vite fait d'aspirer. Ça serait le comble. Allez, viens! Adieu! L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa, pour te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres! Non, c'est rien. Tu mets combien de temps? C'est toi qui décides. 20 minutes ou 30 minutes? Bon, allez, en 20 minutes, on peut le faire. J'espère que t'es sûr de toi. Ah, on peut y aller.
Hey, mais il m'a ciblé l'enfoiré. Je vais faire du feu, tiens. Ce sera
peu décevant. Quel côté, moi ? On se demande ! Non ! Pas grave. J'espère que ça te plaît ! Ça va. À chaque fois, j'oublie de me protéger. C'est dingue. Il suffit de trouver la faille. Mais t'en mets plein la nez ! On dirait que ce scorpion est un petit faible pour toi ! Je compte sur toi ! Allez, c'est parti. Ça y est, il s'énerve. Ça y est, il s'énerve. Attention à sa queue. Il s'apprête à tirer un laser. Hein ? Et on fait quoi maintenant ? On évite de se le prendre. On se cache derrière les débris. Aucun problème. D'accord. Transcendance. Il me semble que à l'époque c'était la limite. On appelait ça la limite. Le laser, fais attention. Ça va, j'ai compris. Alors dépêche-toi de te mettre à l'abri. C'est bon. Il est pas content. Décidément. Ça se présente. Heureusement que je suis là, hein. Dès qu'on a une occasion, on prend l'or et tout là. L'intérêt est prêt. Dégage de là. Tiens, toi. Je vais te faire cramer la cervelle. Je vais péter une autre patte. Il fera moins de malin maintenant. Allez, c'est bon, il est mort là. Dans 20 minutes.
envoyer du moi. Vite, sortons d'ici. Wesh nous assure une voie de secours. Enfonce la sortie. Est-ce que ça va? Pas vraiment! Ma jambe est restée coincée! J'ai eu chaud! Hé! Hey, on se retrouve là-haut! Fais tout pour protéger Jesse! C'est par ici! En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. La sortie est par là! Dépêche-toi! Tais-toi et grimpe. Tu gaspilles ton souffle. Mais non, si je pars pas, ça me stresse. Fais comme tu veux. Et maintenant? Tu parles devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Et vous? Soldat avec moi! Ancien super soldat. Et voilà! On les arrêter! Les fois nous emmerder! Ça va bientôt péter! T'inquiète pas, ça prendra 5 secondes. Ça va chauffer! Dépêche-toi! Faut vite rejoindre les autres! Sortons d'ici avant qu'il soit trop tard. Bordel, nous manquait de plus tard maintenant. Pas de quoi sauter au plafond.
le droit d'être content quand même, non? C'est ce qui manque un peu justement. Cette petite musique. Oh, il me fait chier Barrette, je peux plus lancer de sort là. Rayon de vérité.
Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu fort, là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Ah, ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Oh, sérieusement, ça chlingue grave, là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. J'en ai le ventre qui ballotte, là. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. Vu la densité de Mako, sans catalyseur... À moins qu'il y ait eu de la poudre. Jesse, on verra ça plus tard. Non, oh, j'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ben la prochaine fois, j'apporterai un casse-croûte. Wedge, c'est encore loin? Non, on y est presque. On devrait pouvoir sortir par ici. Bien, reculez, je vais faire sauter les portes. J'ai hâte de retrouver Marlène. Moi, dès que je rentre, je me douche. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles! Allez, c'est bon, c'est ouvert. Je pulvérise. Bon, allons-y. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiqué. Les explosions secondaires continuent de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner l'effondrement de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Oh non, c'est pas vrai. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on n'en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission. Celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Vous en faites pas! Allez, mettez-moi tout sur le dos! Vos craintes? Vos doutes? Vos petits soucis? Sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8. On se retrouve tous au wagon de marchandises. Ok, à plus.
Hé hey. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. Coucou. Regarde, je suppose que tu sais ce que c'est. Une matéria de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. J'insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? Alors, il y a les matérias, oui, comme à l'époque. Donc, chaque arme, chaque objet peut contenir des slots pour matéria. Donc là, je peux y ajouter le soin. Et comme à l'époque, il y a des niveaux. Donc ça augmente leur efficacité. N'attends pas de t'effondrer pour t'en servir. Et puis ça, c'est pour récompenser le petit nouveau de sa témérité. Ça devrait te donner des palpitations. Bon, on se retrouve au train. Après, il y aura possibilité aussi d'équiper ou d'évoluer les armes. Donc chaque arme équipée pourra donner des compétences en plus. Donc des PV en plus, des attaques, des pourcentages d'attaque supplémentaires. Tous les petits trucs comme ça.
possible. C'est pas toi. Tu es mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet arbre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Maman. Si la planète meurt, ton village natal, qui a si magnifiquement brûlé, s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. La fameuse rencontre avec Aerys. Je ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Oui. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui. Merci. Tu les as chassées. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. Avec le thème Aerys. Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas, tu ne me dois rien. Hein? Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvailles.
Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors ? Je ne me laisserai pas intimider. Ah ! Tu crois que c'est un piège ? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue ? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Aide-moi ! Pousse ton épée par terre, lentement. C'est toi le suspect! Je t'ai trouvé! Ici la 4ème brigade du secteur 8! Nous avons trouvé le suspect! Envoyez des renforts! Je répète, ici la 4ème brigade du secteur 8! Mange-toi ça! Meurs! Déjà fini? C'est fini pour toi. Mais... Ah.
que sont les effectifs se déploient autour de la gare. Ce sera plus simple de passer par où. Une caméra un peu chiante de temps en temps quand même. Il est là-bas. Tirez. Tirez. Oh. C'était moins une. Le suspect s'enfuit en direction du quartier résidentiel. Bloquez toutes les voies d'accès. Il est là. Rattrapez-le. J'ai pas le temps d'hésiter. Il y a quand même des tactiques sur certains ennemis, comme ceux avec les boucliers là par exemple, c'est assez, assez compliqué. Yeah.
s'était couru d'avance. Voilà, je vais en rester là pour ce gameplay. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est un jeu, voilà, on suit l'histoire, on n'est pas, comment dire, libre de nos mouvements, on doit suivre une certaine ligne de conduite. Donc voilà, comme le jeu de l'époque, hein, toute la partie Midgar, en fait, elle était, c'était une ligne droite où on était tenu de faire ce qu'on nous disait de faire. En fait, on pouvait pas, c'était pas assez ouvert. Donc j'espère que les prochains seront ouverts. Seront un peu plus ouverts. En tout cas, n'hésitez pas à faire le jeu parce que ça reste un jeu excellent. Depuis le temps qu'on l'attendait, le remake du 7, on va pas cracher dessus. Donc peu importe comment ils l'ont fait, moi j'estime qu'ils l'ont quand même fait. Ils pouvaient pas mieux faire. Franchement, ils pouvaient pas mieux faire. C'est fait. Ils l'ont sublimé. Quand je vois le jeu, de toute façon, c'est le mot sublime qui me vient à l'esprit. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.